Bon, salut à tous, bienvenue dans ma maison dans tous ses états, spécial Noël, voilà. Alors attendez, parce que ça c'est quand même drôle, voilà. Ça je trouve que c'est... voilà, Ouais, bon, voilà. Bon, mais il faut pas le faire trop longtemps, vous savez, c'est comme les jouets des enfants, ça va 2 minutes, mais après, voilà. Mais je trouvais que c'était un petit peu drôle, donc on arrête. Donc, spécial image Noël que je vous fais en direct de la cabane de Merlin. Merlin l'Enchanteur, au cœur de la Bretagne, le jardin zen du Kistilic. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment travailler son image avec le feng shui. Alors, je vais être très, très courte, en fait, parce que, bon, après, c'est les vacances. Donc, il n'y aura pas de vidéo ni jeudi prochain, ni jeudi d'après. Voilà, je vous retrouve au mois de janvier 2024. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo, un live de 2 heures qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, voilà, que vous pouvez regarder, où je vous donne plein plein d'infos sur les énergies du moment. Et puis finalement, comment utiliser le feng shui pour peut-être voir un petit peu les pistes à suivre, notamment avec l'Ouest. Voilà, je ne vous en dis pas plus, allez voir, je vous remettrai le lien là. Et puis, alors pour revenir à l'image en feng shui, vous savez, l'image en feng shui, ça correspond, vous savez, dans le fameux Bagua, à l'axe de l'être, l'axe de la réputation, vous savez, entre la force, la carrière et la réputation. Et c'est aussi l'entrée de votre maison, l'entrée de votre appartement. Mais au fond, donc c'est, vous savez, quand on, alors c'est évidemment la zone réputation générale de votre maison, donc c'est le carré en face, hein, je vous remets toujours le Bagua pour vous y retrouver, c'est l'entrée de la maison aussi, qui est un peu considérée comme une zone réputation. Et puis dans chaque pièce, eh bien vous avez toujours ce, quand on rentre, au milieu en face, c'est la zone réputation qui est régie par le feu. Donc évidemment, quand on veut travailler son image, eh bien, là, voilà, c'était rigolo, c'est du rouge. La couleur symbolique, c'est le rouge. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre que du rouge dans les zones réputation. Évidemment, bien sûr que non. Mais on va y mettre plutôt des couleurs feu. On ne va pas mettre de l'eau parce que sinon, l'eau va éteindre notre feu. Et évidemment, ce serait dommage parce qu'on va perdre donc toute notre énergie. Voilà. Bon, je suis d'humeur un peu joueuse ce soir. C'est peut-être Merlin. Vous savez, les petits lutins de Noël ici. C'est un endroit très habité. Donc, j'en parlerai plus précisément dans peut-être les vidéos suivantes. D'ailleurs, je ne sais pas encore la vidéo prochaine au mois de janvier de quoi je vais vous parler. Mais donc, je voulais déjà vous dire ça. Et ce que je voulais dire, en fait, je le rappelle, la réputation, ce n'est pas que les succès, la réussite, votre statut social. Bien sûr que non, parce que ça, c'est ce que vous représentez. Voilà, mais l'axe de l'être, vous voyez, c'est vraiment, vous savez, je réaligne l'atlas depuis des années, qui est un os très important, l'os le plus important du corps, et j'explique toujours aux gens que cet os, ce fameux atlas, vous voyez, est désaligné de gauche à droite, parce qu'à gauche, c'est le féminin, c'est l'être, et puis à droite, c'est le faire, donc le masculin, l'action et tout ça. Donc, ça veut dire que cet axe de l'être, justement, c'est pas pour rien qu'il s'appelle un axe de l'être, ça veut dire qu'avant tout, avant de faire, il faut être. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour être, on est soi-même et ça nous permet de faire vraiment dans l'axe qui est le nôtre, dans l'axe de l'être. Donc le véritable, quand on veut vraiment travailler le feng shui, mais en fait, quand on veut vraiment travailler sur ce que l'on est et en tout cas retrouver cette connexion avec ce que nous sommes et pouvoir l'exprimer, eh bien, c'est très important de prendre conscience de ça. Donc voilà les petits mots que je voulais vous dire. Peut-être pour vous donner ça en réflexion toute cette fin d'année, voilà, pendant la période des fêtes. Et donc, c'est très très important, vous voyez, parce que moi, souvent, en réputation, j'ai mis des gros smileys, j'ai une grosse lampe ronde, smiley absolument génial que j'adore, et c'est tellement symbolique, vous voyez, de finalement de ce que je ressens, de ce que je suis profondément à l'intérieur de moi, voilà. Et donc, c'est ça aussi l'axe de l'être, c'est se permettre de retrouver sa force pour voilà, se mettre en image, mais vraiment au-delà de l'image, au-delà de la façade, au-delà du masque, au-delà des apparences, voilà. Donc, moi, je travaille le vrai, je ne travaille pas les apparences. Alors, évidemment,
tous ceux qui sont encore dans l'apparence consciemment, inconsciemment, ne peuvent pas venir jusqu'à moi et jusqu'au jardin Seine du Kistilik. C'est bien dommage, mais ça va venir, ça va venir. Vous savez, l'humanité est en grand changement. Donc avec un peu de chance, il va y avoir de plus en plus de gens qui ont envie de vrai et d'aller voilà, en connexion vraiment avec leur axe de l'aide. Voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Voilà, profitez du moment. Comme je l'ai expliqué dans ce live de 2 heures, on est dans des moments de Sagittaire, donc voilà, énergie très jupitérienne, de vie, de joie et tout ça. Mais on est aussi dans un Mercure rétrograde qui fait la rétrogradation de notre mental, de notre pensée, de la communication. Donc qui nous invite, voilà, qui ralentit un petit peu, puis peut-être, voilà, qui nous invite à nous réaligner dans notre communication justement et dans ce que nous avons envie de partager tout autour de nous. Voilà, et bien je suis contente de moi parce que j'ai été quand même assez rapide. Donc encore une fois, de très joyeuses fêtes à vous tous. Je vous rappelle qu'il y a des super prix que je propose avant le 31. Ça veut dire que si vous avez envie de venir faire une retraite avec moi au mois de mai, il y a déjà des inscrits. À mon avis, on sera, voilà, vous serez 8 maximum. C'est moins 10%, ben quand même, voilà. Ça va être 5 jours juste top dans les énergies du labyrinthe, de Jeanne d'Arc. Voilà, enfin, c'est, je vous laisse aller voir sur le site. Et puis évidemment, très intéressant, formation de Feng Shui, donc vraiment enseignement plutôt pour aller beaucoup plus loin en ligne, qui est proposé 1 200 € au lieu de beaucoup plus, et vous pouvez payer bah, par exemple, voilà, à partir de janvier 2024 sur 12 mois, 100 € par mois. Vous n'allez pas me dire que c'est beaucoup et vous avez accès à plein de choses. Ou alors, en présentiel, avec moi, ici, pendant 5 jours, avec votre hébergement, petit déjeuner, dans des super cabanes hyper luxueuses. Voilà, on fait un travail de fou pendant 5 jours. Et donc là aussi, voilà, pour simplement 1 200 €, une formation de Feng Shui c'est une expertise aussi de votre intérieur, en cas pratique, enfin c'est génial. Et ça c'est jusqu'au 31-12, donc vous avez encore le temps de vous offrir ça et vous avez la possibilité de payer ça en plusieurs fois. Enfin voilà, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. C'est le Père Noël, voilà, qui vous fait un cadeau de fin d'année. Donc je vous dis, bah là oui, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas grave. Allez, à bientôt !